Bonjour, vous avez un CD ou un DVD virtualisé sous forme d'image ISO pour le mettre définitivement sur votre disque dur ou alors pourquoi pas charger ce DVD ou CD sur un mini PC qui est dépourvu de lecteur. On va voir ça ensemble. On va pour cela utiliser le logiciel IMG Burn. Donc on va prendre pour exemple ici un CD qui est sur la lettre D, et puis on va aller maintenant chercher le logiciel. Donc on va taper IMG Burn dans Google et on va prendre le premier lien qui correspond au site officiel, et puis on va aller dans la section Download et on va prendre le deuxième lien. Digital Digest, et puis on va télécharger l'exécutable. Voilà, donc on va lancer l'installation. C'est parti. Donc on continue, on accepte les termes de la licence, on va activer les accès SPTI. On va désactiver la barre de ASC. Voilà, le programme est installé. Et puis on va exécuter comme indiqué ici. Et donc dans notre cas, on va créer une image à partir d'un disque. Donc on va prendre le disque D dans notre exemple. Et puis vous voyez que en destination, le fichier ISO sera créé à la racine du lecteur C et ça peut donc être modifié. Avec l'icône qui est située juste à côté. Voilà, on va lancer la création de l'image ISO. Et là, c'est déjà fini. Donc maintenant, si on se rend à la racine du lecteur C, on se rend compte qu'on a une image ISO qui a été créée, qui dans notre cas fait 39 mégaoctets. Et donc si par la suite je veux la charger avec un logiciel du style de Diamond Tool, c'est possible. Voilà.